Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche parce que ce soir on avance dans Secret of Mana, toujours en compagnie de notre cher ami et compagnon et guide Nightmare. Coup. Guide spirituel vous salue, pauvre mortel. Et Ah, j'ai oublié la perruque. C'est pas grave. pourquoi il n'y a pas de musique dans cette ville? Ah mais non, non. C'est normal, si je clique pas sur la fenêtre du jeu, ça ne marche pas. Par contre, tu... Attends. Oui, je veux filmer. C'est bon, voilà. Voilà. C'est bon. Donc Nightmare, normalement, nous promet que on ne va pas être bloqué aujourd'hui. Alors, je vais juste actualiser le chat parce que je n'ai pas les icônes des modérateurs, etc. sur le chat. Bloqué, bloqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va. Voilà. On sait où aller, en tout cas. Oui. Après, les monstres. Oh là. La gouille un peu. Non, mais on devrait s'en sortir. Alors, comment ça va, tout le monde? Je vous ai vu tout à l'heure, mais vous avez bien mangé? Mais D'accord, on se casse. on se casse direct, même pas besoin D'accord. de parler à Jean. Tout le monde a bien mangé et tout. Moi, je mangeais des merguez. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais je suis content d'avoir mangé des merguez. Donc je vous le partage. Attends, je vais juste faire un truc. Ah oui, Nightmare n'a pas mis la perruque, effectivement, Pumpkin. Oui, ça m'est complètement sorti de la tête sur ce que c'est. Bah Ah, c'est écoute. voilà, la surprise. Pas de perruque! Voilà. C'est ça. Voici le vrai visage de Nightmare, quoi. Merde. À gauche, Vas-y, toi. je te suis le gnome. Je suis ton esclave. Alors ici, je prends la fille parce qu'on a un chemin énormément composé de trucs qu'il faut passer à la hache. Mec. Alors ici, il faut prendre le... Attends, je vais prendre Erreur le coffre Yves. parce Ouais. qu'il y a le... En fait, il y a une sphère dedans. Ok. Je ne Par trouve contre, plus tu les peux pas... boutons. Il faut D'accord. sprinter dans l'eau, en fait. Ok. Je suis coincé, du coup. Oh, le boulet. Et tu peux pas rentrer à l'intérieur de la porte? Non, t'étais trop loin. D'accord. Je sens que je vais sortir la glace. Ah, ça va être quoi comme glace? Genre les pots de glace ou un cône ou un truc comme ça. Une agenda, si je dis pas de bêtises. Oh là là. Entre Catboy tout à l'heure qui m'a donné envie de manger Bah, et ça maintenant. les scorpions font énormément mal, donc faut vraiment qu'on surveille nos niveaux de vie. Parce que pour YouTube, hein, ils comprennent peut-être pas forcément de quoi je parle. C'est que tout à l'heure, il y a eu un live qui n'est pas rediffusé sur YouTube. Et il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Donc encore une fois, merci à vous tous d'être venus, c'était cool. Et d'accord. Et Nightmare là, il est en mode speedrun. Et donc voilà, on a beaucoup discuté pendant ce petit live. C'est pour ça qu'il se passait tout ceci. What? Pourquoi on pouvait pas monter? Parce que le gnome était encore coincé dans l'animation en fait. Alors, lui c'est à Tannor si je dis pas de bêtises. Ça lag un peu, désolé les gens. Sauf que je suis sur le mauvais perso. Voilà, là je suis sur le bon. Bon, c'est parti pour le viol. Hein. Vas-y, comme d'hab, on te regarde, on t'observe. Putain, Eh, par 448. contre, évite de t'approcher peut-être trop près parce qu'il fait. Enfin, les boss font mal hein, maintenant. Ok. Thank you.
pas besoin de bouger avec le bob. Logiquement encore une ou deux fois, c'est bon. Yaourt framboise et morceaux de chocolat. Ça doit être pas mal. Moi, je t'avoue que je prends ça avec des bouts de caramel dedans. T'as vu ça, l'estimation de ouf malade? Non, mais c'est du speedrun ce soir, on vous l'a promis. Voilà, Nightmare dans toute sa splendeur. Faut qu'on montre quand même qu'on est performant avant de finir le jeu, quoi. D'ailleurs, Nightmare m'a estimé tout à l'heure en privé que normalement, demain, c'est la fin du jeu. C'est vous cette fois. Je vais m'occuper personnellement de votre cas. Non. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de ces gamins, Phonak. Une fois la forteresse entre nos mains, nous n'aurons plus à nous soucier d'eux, ni de la République. La République démocratique du Congo. Ouais. Et du Malou, Dwdymalou. Dépêchons-nous. J'en peux plus, lui. Comme vous voudrez, votre majesté. On ne croyait pas vous en tirer à si bon compte, vous trois. Je vous briserai de mes propres mains, comme Bane avec Batman. Oh mon dieu. Je ne vois plus rien, ils ont utilisé le qui... Comment il s'appelle déjà dans Dragon Ball? Morceau du soleil. Non mais en japonais, oh. Le Kai... Le... Ouais, Kiko, non? Non. Non, c'est le... Oh, je sais plus. Taikoha ou Taikoken, je sais plus. Taioken. Non. Ah non. Pas ça. Merde. Peut-être le Kikoha. Je crois que t'as raison. Non, bref. Y'a ma nièce qui va rentrer, mais c'est un live YouTube, donc non. Oh. Bah alors, Nightmare. Ah non, c'est pas toi la fille. Attends, faut la soigner. Désolé si vous entendez ma nièce, je pense que y en a pas pour longtemps. Hâte de voir la fin. Pourquoi? Pour me voir passer à autre chose. D'ailleurs, je pense que... Je pense qu'on va aller sur The Last of Us, peut-être. Ouais, je pense qu'on va aller sur The Last of Us ensuite. C'est pas encore choisi totalement, mais il y a de fortes chances. Allez, la fille. Elle s'est fait avoir dans une deuxième chocolat. Si jamais elle se refait toucher, c'est bon. Elle a qu'à mourir. À la Kamourir, c'est japonais. Ce sera plus rapide qu'elle meurt. Ah merde, ici il faut. Non, vas-y, descends, et ensuite il faut remonter ici. What? Ok. Ça va le speedrun là, Nightmare, c'est bon. Tu connais le jeu par cœur là, ça y est. Tu t'es dit, j'en ai marre de galérer. Encore un mur, on passe à travers, ok. C'est ça que je... Bah non, parce que on est déjà en train de faire un jeu d'aventure RPG Zelda à côté. Je fais jamais deux jeux du même style. Bon là, pour Secret of Mana ça, et Zelda, ça a été un peu particulier. Étant donné que je venais d'avoir la Wii U et que... voilà. C'est un des rares jeux qui m'intéressait sur Wii U. Ce Zelda. Donc là, il y a deux jeux du même style en ce moment, mais c'est très rare. Voilà, on est bon. Et Xillia, il y a de fortes chances que ce soit après Secret of... après Zelda. Attends, on va repasser... essayer de re-rentrer dans la porte. Ouais. Se re-soigner, et après on essaie de quitter directement le... Yes. Faut aller vers la droite, c'est ça? C'est ça. Mais pourquoi faut pas aller en haut là?
Parce que c'est... elle mène à rien en fait. Ah d'accord. Tout simplement. J'ai rien dit. J'avoue que les ennemis ils rigolent pas. Les boss c'est encore facile, mais les ennemis c'est un peu plus chiant donc. Allez, ici on peut passer que d'un seul côté dans ce côté, dans ce truc-là. D'accord. C'est un peu comme dans Pokémon. C'est ça, c'est un peu comme dans Pokémon, exactement. Ah, c'est mieux de prendre le tapis roulant qu'on sait. Ah mais je pensais qu'elle allait encore avoir un truc caché ou quoi. Voilà. Oh non. Snappy est en train de se dire what the fuck. Ah bah moi je te suis, écoute, là je suis totalement en mode spectateur ébloui par le fait que tu connaisses ce truc par cœur. Et cours, cours, cours. Ah c'est chouette. Putain la fille qui nous fait toujours chier. Voilà. Ah non c'était pas un freeze, enfin c'était pas un freeze de l'émulateur. Non 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 c'est une porte. Là pour le coup on est vraiment les esclaves du gnome hein. Vraiment on le suit quoi. Alors que se passe-t-il? Tu t'es fait avoir par explosion. On va choper le... Mais non c'est moi qui me fais choper par explosion. Et tu vas aller où là? C'est ici, on doit aller ici mais faudrait que le truc ne me fasse pas chier en fait. Eh ouais, Nightmare n'a pas mis sa perruque Curiosity aujourd'hui. C'était ça la surprise. Rouge, bleu, jaune, vert. Et pourquoi c'était ça? Parce que c'était le code. D'accord, mais normalement tu le découvres comment? C'est un des soldats dans la base de résistance qui te le dit. D'accord. Donc là, vraiment, on zappe des passages du jeu, quoi. Pas vraiment zapper des passages du jeu. Bon, j'ai un peu... ouais, sinon, c'est bon, c'est... Enfin, ouais. Là, je suis totalement... Ah, mais Nightmare! Salopard! Il m'a feinté, vous avez vu, il a été à gauche et après à droite. Pour voir si j'allais vraiment dessus. On arrive au même endroit. Ouais. Putain, il y a un train. Bah ouais. Et depuis quand il y a de la technologie dans le jeu? Ici on va directement d'abord aller à droite voir s'il y a la porte. S'il y a la porte, cool. S'il n'y a pas la porte. J'avais totalement oublié qu'il y avait un train avec des zombies dedans. C'est Resident Evil 0. Là, on doit passer. Enfin, là, tu vas-y, c'est plus tard. On devra passer chacun par un portique. Heureux Catboy. Heureux Catboy. Là, tu passes par l'autre, toi. Et quand tu joues à deux, tu fais. À un, tu fais comment? Tu passes par les deux. Et t'es où là? Je suis coincé, en fait. D'accord. Ouais, c'est pas grave, au pire. Ah, si, c'est grave. Ouais, plutôt, ouais. Avec merde! En bas, oui. Corde. Attends, non, lâche ton bonhomme. Tu peux pas ne... prendre le gnome. Attends. J'arrive pas à... C'est comme si ma manette, en fait, était bloquée, elle ne répond plus. Ah bon? Et là? Ouais, regarde, en fait, mon perso fait toujours la même chose, je peux plus contrôler mon perso. Ah. Ça, c'est problématique. Nous avons un petit souci des manettes. Ouais. Attends. Oh. Moi, j'ai appuyé sur Select. Et regarde, il n'y a plus de joueur 1. Effectivement, mais si ma manette me répond... Si ma manette ne répond plus, je ne peux plus appuyer sur ces... Enfin... comment on va faire? Parce que je peux pas aller dans le menu de configuration, changer les touches de la manette.
Ouais, et moi je peux pas sauvegarder. Donc on va devoir recommencer tout ce qu'on vient de faire là en fait. Attends. Y'a moyen. Ouais, toujours moyen. Je suis pas sûr. Pourquoi Manette a décidé de bugger là? Attends. Je coupe en vitesse ma cam. Ouais. Et je vais essayer quelque chose. Je suis sincèrement désolé. Attendez, j'ai une idée. Au pire, je peux essayer d'aller dans une ville et de sauvegarder, mais ça va être compliqué. Ça va être plutôt compliqué parce que le perso de Nightmare bouge tout le temps vers le haut. Non, c'est bon. Là, il y a l'auberge juste ici. Donc, sauvé par le... Voilà, au pire des cas, on redémarre juste l'émulateur. Ça se trouve, c'est ça qui a bugué, Nightmare. Non, c'est ma manette qui a bugué. C'est Windows qui a fait planter ma manette. D'accord, bon. Bah, du coup, on va relancer, nous, l'émulateur de notre côté. Ouais. Donc, je sauvegarde. Je remets là, voilà, oui. Voilà. Donc, je quitte l'émulateur Nightmare. Donc, bien en drop, hein, n'oublie pas. Ouais, pas besoin de faire live du coup. Quoique. Moi, il faut que j'aille configurer de nouvelles touches. D'accord. En vitesse, désolé. Non, y a pas de souci. Juste dépêche-toi. Que là, ça prend de la 4G pour rien. Et puis, YouTube, ils vont se dire: ah, mais c'est nul, ils jouent même pas. Ils sont nuls. On était en mode. On était en mode speedrun et ça nous a bloqué là. Voilà, j'ai recréé le salon et du coup, je t'attends. Fais au plus vite, s'il te plaît. Petit souci technique, hein, ça arrive pendant les lives. C'est rare de mon côté. Un nightmare. Et Là, j'y peux rien. Hein. Je pouvais pas savoir que la manette, elle est... enfin, le Windows allait dire fuck en plein milieu du. Oui. Non, mais t'inquiète. Et donc voilà. Ah, je vois que tu t'es reconnecté. Donc je relance. Donc j'espère que ça a bien sauvegardé. Au moins niveau boss, etc., on a déjà tout fait. Donc il suffit de resprinter vers. Oui. Bon, on a juste perdu 2-3 minutes. Ça va encore. Limite, on peut faire vu que. On va pas. Ah, vas-y, je te laisse. J'allais dire, vu qu'on allait en ville, on peut racheter du chocolat, mais. Ouais, Osef. C'est optionnel. Nightmare est perdu. Du coup, là, tu joues avec une autre manette ? Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement la même que l'autre, hein, sauf que celle-là est pas rafistolée. attends, tu te rappelles par où tu as été ? Non. Pas grave, attends. Ok, je vois à peu près où on est, donc ça devrait être par là. Si je dis pas de bêtises, c'est par là. Attention. Oh mais bim ! Oh mais ce talent ! Ce talent de la manette qui déconne. Oh ça va. Limite, je peux faire ça, hein. Moi j'arrête de jouer, on regarde Nightmare jouer. Ouais, tu veux vraiment laisser les deux IA gérer les persos ? Mais ouais, ils sont trop forts. Bon. Aïe. Je brûle. Oh mais bordel! Ouais, tu vois, c'était une très bonne idée. Tu ferais plus vite Nightmare de venir lui donner un coup que je me casse. Quoi. Je pense. Voilà. Mais non, c'est le gnome. J'ai pris le gnome. Voilà, critique dans ta face. Mais ces larves sont chiantes, elles ont masse points de vie, elles ont masse défense, elles peuvent se lancer un sort qui augmente leur défense. Donc on est de retour ici. Allez, cette fois-ci, on va y arriver.
Putain, dégagez. Ah bah, le jeu aurait été tellement plus facile si on pouvait passer à travers les ennemis. Clairement, attends. Non, je vais utiliser d'abord un objet avant de faire ça. Ah, mais ressuscite-le pas maintenant. Oui, non, il n'y a pas de boss, donc on va aller... Oui, et puis même là, il va nous faire chier plutôt qu'autre chose si on le ressuscite tout de suite. Là, il suffit d'aller à la base des résistants. Et demander oui. Soit. Oui, aussi. Ce sera une résurrection gratos. Ah, bordel. Il me reste 2 PV. Tant mon dieu, Nightmare. Tant non, non, mais ne me soigne pas. Si, 2 PV vaut mieux. Oh. T'as tellement pas confiance en toi, tu préfères me soigner. Par contre, je crois que je me suis soigné, moi. On l'applaudit, hein, tous sur le chat. Je veux des clap-clap Nightmare. Oh, le nul, il s'est fait frapper. C'est le mec qui vient de crever. Allez, avance. Nos rages. Profite donc, tout est déjà ouvert. Oh, le chat pas réactif, là. Mon dieu. Le chat est... Ah, mais non, le chat comprend sur qui ils doivent compter pour faire avancer. Donc... On est de retour. Ah non, à mon avis, il y a un gros décalage. C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde en VIP du coup maintenant. C'est vrai que. Faut que je fasse avec, faut que j'avais oublié. Il y a au moins facile 20 secondes de décalage. Tu refais le même truc, hein. Je me fais avoir à tous les coups pour celui-là. Mais c'est parce que je suis droitier et instinctivement je vais vers ma droite. C'est pas logique, mais ouais, d'accord. Ah si, c'est très logique. D'ailleurs, ouais. Resident Evil 5 est construit sur cette logique. Moment ah. HS. Ah bon, c'est pour ça que dès le début, tu dois aller à gauche. Non, c'est pour ça que la caméra de Chris ah est non, sur ta gauche. Resident Evil 5, tu dis oui. Dans ma tête, j'ai pensé qu'au 1. Enfin, si tu te rappelles bien, la caméra de Chris, ton perso est sur ta gauche. Ouais, peut-être. Et tu as une grande vue sur ta droite. Ah, le chat réagit maintenant. Désolé, j'avais oublié qu'il y avait le décalage Twitch ou Hitbox, ben, peu importe où vous regardez, il y a un décalage de toute façon. Pardonnez-moi. On va reprendre le train du coup. Allez, putain. Pas dû le laisser crever ce gnome. Sauf qu'il y a un boss dans pas longtemps. Mais on peut le ressusciter. Regarde, ben voilà, crève. Mais même quand il est mort, il nous fait chier. Bah oui. Bordel. Bon, là, on tape un sprint en ligne droite. Ouais. Et on est ralenti par le fantôme. Ouais, parce que le fantôme est très intelligent. Moi, faut se dire, tu dois pas te taper Excusez-moi. Tu dois pas taper les. Les ghouls qu'il y a dans le train. Les zombies. Ouais, c'est. Leur nom, c'est ghouls, mais. Ouais. Les zombies. Ah, mais bordel. Faut que ça arrive qu'à moi, quoi. Eh bien, Nightmare, t'es à la traîne, là. En haut, en bas, en haut, en bas. En bas ? En bas. A l'air de vouloir aller en bas. Oh mon dieu, la Team Rocket. Comme on se retrouve, les gênards de service ! Encore vous. J'ai fait ma petite enquête sur vous. C'est d'abord tout serait le héros à l'épée sacrée ? Ah, ne me fais pas rire ! Tu as dû recevoir cette épée par erreur ! C'est vrai, de nos jours, on donne les épées aux gosses. Ouais, donnez des épées aux gosses, ils sauveront le monde avec. Ah, regarde Link, pareil. Hein. Allez, sois gentil, donne-la-moi sans faire d'histoire. Ouais, donne-la, on va être riche en la revend, chef. Silence, vous me faites honte.
Puisque c'est comme ça, je vais prendre l'épée de force. Admirez notre nouveau robot, le Super Giga Robot Alpha Prime Turbo. Ça, c'est Street Fighter, ça. C'est les noms comme ça de Street Fighter. J'ai nommé Tronçonator. Ah bah oui, bah c'est mieux comme ça. Permettez-nous de vous faire sans plus tarder une démonstration. On n'a pas déjà battu un robot comme ça un si, peu? Si, à peu près. D'ailleurs, il me rappelle le robot de Chrono Trigger. Ça va, à l'aise? Tranquille, tout va bien. Ah, tout ça pour montrer son nouveau sort. C'est surtout que je n'ai plus de... On a plus de... De noix? Sérieux? De calice. Ah. D'accord, en fait, tu joues le gnome. C'est pour ça que j'ai pas accès à la magie du gnome. Ah, merde. Pardon. J'étais en train de me dire, mais pourquoi la magie se lance pas? Le temps de frappe. On peut le frapper que par derrière, je pense. D'accord. Ok, je suis encore mort. On t'attendra. Pa-pa-da. Par contre, soigne pas avec la fille. Trop tard. C'est vrai que je jouais la fille, du coup, vu que j'étais mort, en fait. C'est pour ça que ça a switché tout à l'heure sur le gnome. Je pensais que je continuais de contrôler les fantômes, mais non, en fait, personne, quand t'es mort, personne ne peut contrôler les fantômes. Quoi? D'accord, mais non, j'enchaîne alors que je dois pas. Hmm. Habitude des autres boss. Et du coup, là, Nightmare ne peut pas me ressusciter. Bah non. Là, ça risque d'être tendu, je pense. Tu penses y arriver, Nightmare? Le truc, c'est que tant que tu lances le sort, en fait, t'es invulnérable, donc ça passe. D'accord. Il a combien de PV, lui? Parce que... Il en a pas énormément. Et y a pas un sort qui pourrait lui faire plus de dégâts que ça? Je peux essayer, mais il a pas de faiblesse, en fait. D'accord. Ouais, c'est un robot, donc l'eau me paraît peut-être... Ouais, ou la foudre, hein. Idée. Non, l'eau, en fait, c'est pas une bonne idée. Moi, je dirais la foudre. Ah non. Oh, fais comme tu veux. J'arrête de t'induire en erreur. On va rester sur le choix de la terre. Hein. Mm. Ah bah voilà. Ça c'est grâce à la foudre qu'on a fait juste avant en fait. Il y a quelqu'un qui a monté de niveau, je sais pas qui. Oh. Aïe. Ce boulet. Oui. Mes esclaves sont ressuscités. Oui. Ah, sphère de l'arc, une arme qu'on a tout le temps utilisée tout le long de ce let's play. Il est fort, mais alors, ce serait vraiment le héros de la légende? Quel est donc l'idiot qui a dit que ce n'était pas lui? Allez, on se retire! Oui, chef. Bien, chef. Ouais, GG Nightmare, là, on peut le dire. Alors... Avant d'aller dans le... Mais non, on peut pas. J'allais dire avant d'aller dans le palais. Désolé, je suis on fatigué. On pourrait partir, mais on peut pas partir parce que si on part, on doit se retaper tout le donjon. Ah bon? Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti chercher une autre entrée. Pour entrer dans le palais de Mana. D'accord.
parce que l'entrée principale était fermée. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour. Grâce à vous, nous avons découvert un raccourci pour entrer au temple. Hey, il est où? Tu peux pas nous dire où il est, le raccourci? Et en fait, on est sur la même carte que tout à l'heure. Ouais. Donc c'est une arnaque. Bande d'enculés. On fait quoi? On va tenter d'acheter des calices, etc. pour se résurer. Ouais, on va faire ça, on va la jouer safe. Parce que là, j'avoue que c'est assez tendu, j'ai l'impression. Par contre, on peut pas passer par là, alors... D'ailleurs, parce qu'il dit grâce à nous, on a découvert un raccourci, mais je l'ai pas vu, moi, le raccourci. Hein. Moi non plus. Donc il va falloir chercher, quoi. Attends, donc je suis venu par la partie du sud-ouest, donc par là, on va vers Sakakara. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que... Sur la map, la musique n'est pas la même qu'on avait d'habitude. Oui, mais ça c'est parce qu'on a le... trouver le magasin d'objets. Ah, c'est depuis que l'île est sortie de l'eau. Plus facile que je ne pense. Alors, ce sera du chocolat. Du chocolat. Des noix aussi, je pense. Tiens, j'y pense. Est-ce que tu crois qu'on a le meilleur stuff? Je suis pas sûr, moi. Je n'en ai aucune idée, mais je te verrais bien en maillot de bain rose. Ouh là là! Petit coquin! Des noix. Non, on est full. Là, le truc, là, le casque, il ressemble presque à l'ocarina de Tapion. Alors... Une quête droguée au chocolat. Donc je vais prendre un casque pour toi. Casque de canard, c'est pour Nightmare. Exactement. Deux pour moi. Pour cette tenue-là, il n'y a que la fille. Par contre, la tenue de combat est pour les trois et tous les trois peuvent la mettre. Et elle coûte plus cher que le maillot de bain. Parce que oui, on a fait tout ça pour rien. Il achète peut-être pour rien. Ouais, peut-être. Mais on va voir. Et je sais pas, pour moi, ça me paraît bizarre. On va voir tout de suite, hein. Yep. Donc équipé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se prend cher. Ouais. Effectivement. Nous on a ce stuff-là en plus. Enfin, les mages. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on se prenait cher en fait. Alors maintenant la fille. On s'équipe, on passe à l'auberge et on peut repartir au temple. J'avoue que le menu du jeu est plutôt original mais pas du tout intuitif. Désolé. Pas de soucis. Ce fut éclair. Tiens, vas-y, équipe-toi. La la la, voilà, je lag. Puis il faut que je vende aussi. Ouais. Parce qu'il faut que je garde 65 000 fois 3. Ah ouais, 139. Faut que je garde au possible 195 000 à peu près. 190? Tu m'as très bien compris. Je sais pas, moi, j'utilise les chiffres français, moi, monsieur. Ouais, et moi, j'utilise les vrais chiffres. Ouais. Vous avez compris, vous, le chat, 190? Cherche pas, ils ont compris, tu peux pas. Attends, il y a le décalage. Bah, Pumpkin va me dire oui, j'ai compris, forcément. Hein? C'est quoi ce stuff qui se vend à que dalle? Pourtant, on l'a acheté cher, non? Bah ouais, c'est ça le pire. 190. Ah, oh, Catboy. Ah là là, Suisse-boule. Ah, il sait qui est son maître. Je vois. Allez, direction l'auberge, et ensuite on continue l'aventure.
Oui, on veut rester dormir. Monsieur, je côtoie des Suisses et des Belges, alors je comprends. Blablabla, crotte crotte prout prout. D'accord, on sauvegarde pas, t'es... Ouais, mode YOLO. Ok. C'est plus rapide. En fait. Nightmare prend cette responsabilité-là, on n'a pas sauvegardé les gens. Moi, je dis rien, j'aurais préféré sauvegarder. On va voir. Non, non, mais non, c'est bon. Vas-y. Non, on va voir, t'écoute. On a une meilleure armure maintenant, donc on devrait prendre moins de dégâts, mais... C'est ta responsabilité. Alors, le raccourci. Je pense qu'il est où, toi? J'étais venu par... Tu vas voir que si ça nous a ramené du mauvais côté, je me flingue. Du mauvais côté de quoi? Je vois pas de... Où tu vas? Je sais pas, je cherche. J'essaie de retourner... D'abord, retourner là où on est... On est sorti du donjon. Ah, mais c'est là. Ouais. Ça a débloqué cette porte en fait. Oula. Vas-y, on avance. Ouais, ouais, ouais. Ouais, une Pokéball. Par contre, là, je l'ai pas fait tout à l'heure donc. Ah, donc on sait pas, on avance à l'aveuglette là. Ah, il y a un truc là allumé là. Effectivement. Bon. Hein? Bien vu l'autiste, c'est ça? Bien vu l'autiste, effectivement. On va l'analyser. Quoique. Ouais, donc, analyse. On va l'analyser parce que dans la sélection, il y en a 7! Connard. Alors, quel élément? Gnome, notre gnome. On entend un bruit au loin. Mais t'as vu, il y a un livre qui est apparu. Ouais. Ah, le troll, c'est un monstre. Mais ça se trouve, faut le tuer. Si tu veux. Ouais, ou alors on le laisse tranquille. Ouais, ouais. Ouais, allez, on se casse. On le laisse tranquille. Poussez-vous ! Je pense qu'il faut trouver toutes les salles et activer leur magie correspondante. Ouais. Tout bêtement. Alors, quelque chose me dit qu'il doit y avoir une salle par là, tu vois. Et deux autres en haut. Ah, Nightmare, regarde, je suis sûr qu'il y a un truc qui va apparaître. Ah bah non. Pourquoi t'es passé par là? Je suis la fille, là. Ah! Je crois que t'étais le gnome. C'est la fille qui peut analyser. Excuse-moi, excuse-moi. Ne me frappe pas, s'il te plaît. J'ai besoin de mes deux mains. Ondine. Donc, c'est l'invocation qui fait souvent la cuisine. Pardon, c'était nul. Pardonnez-moi. Là, je, contre, suis, je suis qu'un faible d'esprit. C'est moi le petit diable, t'en as envoyé une bonne droite. Tu fais quoi? Tu montes, tu descends, bordel de merde! C'est un speedrun ou pas? Par contre, j'avoue, ce jeu en speedrun pour gérer l'IA, ça doit être vraiment très ouais. Chiant. Ou faut être 3. Mais je pense qu'en speedrun, tout simplement, ils utilisent. Enfin, ils tuent les. Ils le font à seul, en fait. Ah oui. Ouais.
Enfin, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique, quoi. Mais bon, changer d'arme et tout, à chaque fois, il perd du temps, quoi. Salut Suzuko. Salut Suzuko. Sylphide, hein, il a dit. Je sais pas, j'ai pas vu. Comment te pomper bien TMP avant d'avoir un boss, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, donjon plutôt simple, en fin de compte. Hein. Je suis sûr qu'il y a une porte là-bas, tu vois. Ouais. C'était genre gros comme une maison. Ah bah, l'élément, je pense que là, on a compris. Voilà, y a pas besoin de se calmer. Tu peux voir, c'est un gros troll, c'est pas ça. Si, c'est bon, c'est ça. Tu peux même toucher là, le livre. On peut aller. Donc on en a eu 4. Sur 7. C'est long, hein. Donc, je pense qu'on va finir ce donjon et après ce sera... Est-ce que c'est la fin du live après Nightmare ou pas? Ou on continue pendant une demi-heure? Il y a un truc qui est faisable en une demi-heure. Je pense pas qu'on puisse finir le jeu en une demi-heure. Ah, parce qu'après c'est la fin du jeu? On n'est pas super loin de la fin, effectivement. D'accord. Ouais, mais non, mais redescends. Il y a un truc là. Ah ouais, chapeau. J'ai pas fait attention. On est pas loin. Là, on est au chapitre... J'ai une utilité, j'ai des yeux. On est au chapitre 3, je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres. Donc. Okay. C'est bon, on est juste en train de tourner en rond comme des. Je crois bien, oui. Non, y'a rien ici en fait. Ouais, bah on repart. Attends, t'as peut-être raison. Attends, est-ce qu'il y avait des portes là? Ah, c'est un donjon de pute quand même, parce que c'est effet miroir quoi. Et je voulais ouvrir le coffre. Oui, effectivement. Y'a peut-être. Y'a peut-être une sphère. Oh, sérieux? Il y avait un truc là à gauche. Je n'aime pas quand je n'ai pas pu préparer. Moi je dis. Je sais pas. Ouais, peut-être lui-même. Ouais. Quel sort peut attaquer? Ouais, vas-y. C'est pas ça. Vas-y, fais un scan. Canaliser. Dominique Strauss-Kahn. Pardon. J'ai fait des jeux de mots pourris. Lumina. Évidemment, on a utilisé Luna et pas Lumina. Mais Lumina, il n'y a qu'une seule qui peut utiliser, donc c'est très... Toi, c'est la seule magie qui n'est pas utilisée par le monde. Donc là, on a 5, il nous en reste 2. Donc maintenant on essaie d'aller à l'opposé de celle-ci. Alors, là sûrement si l'ombre. Si on suit la logique, ça va être non. Non, je vais pas utiliser ce sort-là, t'es malade, c'est 8 PM. Vous entendez un bruit au loin? Un ça bruit. Doit être Suzuko. C'est Suzuko qui tousse que vous entendez. Elle est en train de mourir. Et où pourrait être le dernier, sachant que c'est quelque chose qui est symétrique. Mm-hmm. Le dernier doit être qu'au milieu. Ah oui, mais on en vient. Non le problème, c'est que c'est ça. Le truc, c'est que vu que c'est symétrique, je sais pas où pourrait être le dernier. Le gnome. Ah, on n'a pas été... Bah si.
Ah mais oui, faut aller là. On n'a pas été ici. Parce que le chemin n'était pas ouvert tout à l'heure. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? What the fuck ? Tu crois que je t'ai pas vu pour changer de personnage ? Pour dire, oui, c'est vrai, je suis con. Tu crois que... On t'a tous vu, Nightmare ! On a vu le 1 le 2 passer sur la fille. Honteux. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais, oui, mais bien sûr, oui. Là, faut qu'ils aient le foie ici. Ça va ? Je marche dans le vide. Ouais, ouais. Alors, logique, ici devrait être le dernier. Ici, c'est à Luna, donc. Luna. Ah oui ! Et on a fini le donjon. Non, c'est pas ça. Voilà. Seulement ça pouvait être aussi ça. On a fait exploser le secteur 7. Wow, wow, il y a une voiture tortue. Elle s'est crue dans Mario Kart. Ah, mais c'est Sonic en tortue. Merde. C'est pas moi. Ah, d'accord, cette fois-ci c'était pas toi. Ah, il y a des boutons. Oh, mon dieu, il y a des boutons partout activés. Ça devient trop dur. Comment forcer l'IA à arrêter de se battre. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais on les connaît, ce boss. Rappelez-vous, on en a déjà affronté un, il était dans un œuf au départ. Ah, il a... Ouh, 450. Il a compris que l'évolution, ça ne passait plus par là. Non, je suis dans son ventre, hein, mais ça fait pas de mal. J'ai aucune honte à te faire cramer. Je suis à l'intérieur, notre mère. Ah, elle a plus de PM. Je suis sauvé. Non, non, j'ai encore le PM. What juste... Ça m'a fait cracher bizarrement. Et je crois qu'il a subi tellement de dégâts qu'il t'a... Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et pas de problème. Tout va bien. What? Non, du coup, c'est pas vrai. Oui. D'accord, on a ouvert le chemin. Qu'on devait prendre. Enfin. Le problème. Enfin, de. Blablabla. Voilà. Tiens, c'est bizarre, Nightmare. Il y a juste. Un monsieur, il y a Thanatos. Ah, l'empereur, mais il est mort. Qu'est-ce qu'il passait? Regardez, il y a un passage derrière l'hôtel maintenant. Tiens, 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 si t'es mort, l'hôtel. t'es remort. Pardon. Oui, je sais, je fais exprès. Je peux pas descendre. Ah, la caméra qui des fois qui t'empêche d'avancer. Je vous retrouve, les gamins. C'est vous qui avez tué l'empereur. On ne peut rien vous cacher. Avec la forteresse, nous serons les maîtres du monde. Nous ? Et qui parle ? Esquizo ? Thanatos, c'était toi. Ah, comment on se retrouve ? Roi Durak, est-il sain et sauf ? Bien sûr, très cher. Il sera bientôt mon nouvel hôte. Comment ça? Cela ne vous regarde pas. Seigneur Thanatos, à la forteresse. Je vais enfin pouvoir manger Chic et Gestal. Préparez-vous à mourir. Ah, classe, ce boss. Attends, j'ai envie juste de dire un truc. De comment il est passé d'homme en femme. Transformation. C'est tout. Attends, parce qu'il y a un truc qu'on doit utiliser sur lui. Mais je sais plus quel perso là. Ah. La mineure, fou, boule d'énergie. Non, ça doit être moi alors. Allez, tu vas y arriver. Ah, c'est ça. Ça lui fait quoi?
ça l'empêche d'utiliser sa magie à lui. D'accord. Tu sais, le lancer un... une noix pour récupérer ma magie. Ah, j'aurais pu le faire. Hein. La chirurgie esthétique, nous dit Curiosity. Donc la chirurgie esthétique en une seconde. C'est nouveau. Alors, la chirurgie esthétique en une seconde rajoute deux bras, une queue de serpent. Et c'est ça. Une extension capillaire. Et en plus, il est plus grand. Et il a déjà perdu sa. C'est moi qui lui ai fait 497 là ? Ouais, je crois. Bordel de merde. Aïe, aïe, oui. Sérieusement, il a aïe, pas pris. Aïe, oui. Un petit coup de soin, ça fera pas de mal. Ouais. Putain, mais il fait que de me focus, quoi. J'en ai marre. Je peux pas jouer, en fait. Je crois que c'est plus rapide que je te booste en fait. Ouais, peut-être bien. Ah merde. Premier boss, j'ai l'impression qu'il nous met un petit peu en difficulté. Hein. Il résiste à la magie, c'est sûr que ça. Ouais, il fait que de me focus, moi, frappe-le, fais quelque chose, quoi, j'en ai marre. J'en ai marre, il me fait chier, ce boss. On va repasser un coup de stop magie. Ouais, il fait que de me frapper, moi, il m'enchaîne. Je peux vraiment rien faire. En plus, je le frappe, il prend pas les coups. Parfait. Et bonne nuit, Catboy, merci à toi d'être passé. Bonne nuit, Catboy. J'utilise anti-magie sur elle, mais elle continue à spammer, comme ça. Elle... Ceci n'est pas efficace. Clairement. Mais putain, mais laisse-moi tranquille! Je peux rien faire. Non, mais ça sert à rien, Nightmare. Ça t'empêche de crever déjà. Wow, ça lag. C'est pas normal que ça lag autant. Surtout que moi, d'habitude, quand ça lag, je drop en même temps. Là, y a pas de drop, donc. Ouais, je comprends pas non plus. Je vais vérifier que j'ai toutes mes barres de réseau, on sait jamais. J'ai toutes mes barres de réseau. Il a combien de points de vie? Non, tu veux le scanner? Ouais. Oh là 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 là. C'est quoi ça? J'ai vu comment ça va du mal. Je crois qu'il y a une magie qui vient de monter de niveau. Bon, quand tu prends, quand tu veux, tu les prends tes coups. Par contre, il faut soigner.
Il lui restait combien de PV? 1000 et quelques. 1200, je crois. D'accord. Tu attaques en premier et tu attaques après. On s'est voilà. Même pas foutu le finishing blow quoi. On a frappé en même temps. Voilà, c'est la coopération. Voilà, c'est la communication comme ça. Ouais. Bravo. Il a été long ce boss. Non, ce n'est pas possible. Seigneur Thanatos, pourquoi? Parce que... On pourra dire qu'il a rendu son dernier souffle. Par précaution. Tu sais qu'on a monté le niveau, donc ça se trouve t'as récupéré tes MP. Gestal, il est vivant. Exterminé. Ce n'est plus tout à fait le Gestal que vous avez connu, Lulu. Je me suis servi d'un ancien sortilège pour en faire une machine vivante. Un pantin que je manipule à ma guise. C'est abominable. Mon dieu. Il a une moto. Rappelez-vous, on l'a battu sur le toit d'un château la dernière fois. Pif paf pouf paf pif. Quelle magie d'après toi? Je me rappelle plus. La foudre, je dirais. On va passer un coup de scan pour savoir. C'était quoi ce mouvement? Ouais, point de magie. Expérience. Luc. Ok, il n'y a pas de magie particulière. Bon bah on va spammer du diamant hein. C'est la magie la plus haute qu'on a. What? Ok, il a utilisé anti-magie. Enfin il a utilisé reflet miroir, donc on peut pas utiliser la magie sur lui. D'accord. Alors on va le faire à l'ancienne. Pourquoi tu nous as soigné? Pour le gnome en fait. Ah. C'était plus rapide d'aller. Ah, c'est con pour lui ça. Comme il a envoyé un sort de renvoi de sort, les sorts qu'il s'envoie à lui-même, il se les renvoie. D'accord. Sur nous. Donc il peut pas se soigner, rien. Non, par contre, il nous booste. Merde. Putain, on va galérer à le tuer. Et surtout qu'il fait des allers-retours, quoi. Ouais, il a beaucoup de PV en plus. Il fait 2 de dégâts. C'est quoi ce coup? C'est complètement ridicule. Mais 21, mais... What the fuck? Donc là on enchaîne beaucoup les combats de boss, parce que je pense que vous l'avez compris, on arrive à la fin du jeu. J'ai perdu connaissance. Non, si je ferais pas plus de dégâts en mettant la lance. Ok, Pumpkin. Lag Pumpkin. T'as mal aux dents à cause de la glace.
Je vais essayer de prendre la lance un coup. Ok, vas-y. C'est le trident. Non, c'est ça la lance, je crois. Ouais. C'est vrai que la lance, c'est la meilleure arme qu'on a. Bon, par contre, si je perds connaissance, ça va pas le faire. Dès que je me réveille, je passe un coup de heal sur tout le monde. Vaut mieux prévenir que guérir. Oh, on va y arriver, ça va être juste un peu long. Ah putain, Nightmare. J'ai envie de te tuer. Ça a bloqué ton coup, déjà. Ouais. Et en plus, j'avais pas besoin de soins, moi. Il faut rester tranquille, ce boss. Pourquoi Nightmare Cyrus? J'ai pas compris non plus, là. Ouais. On joue en premier. Il soigne tout le monde tout le temps. Ouais. Ça va, au niveau des attaques, on nous fait mal quand même, quoi. Ouais, mais bon, c'est long. Après, bon, c'est normal, c'est les boss de fin de jeu. Donc. Forcément, c'est pas aussi rapide qu'avant. Puis là, bah, le gros problème, c'est que, bah, y a pas de magie, donc... Oh, GG. Effectivement, Pumpkin. Donc je pense que là, ce qu'on va faire, si on le peut, on va aller dans une boutique dès qu'on peut. On va essayer de voir aussi un forgeron pour forger avec toutes les sphères qu'on a ramassées. Ils ont réactivé la forteresse. Le continent va sombrer. Warning. À toi d'appuyer, je crois. Le continent va sombrer. Vite, cassez-vous. Et donc, du coup, ce qu'on voit dans le sol va s'élever dans le ciel, si je me souviens bien. Il replonge surtout. Ah, c'est toi, Nail. Tu fais quoi, là? Mais ils disent qu'il faut qu'on se repose, en fait. Ouais. Enfin, qu'on doit se reposer pour parler à... Oui, mais enfin, on va sauvegarder, non? De toute façon, on peut pas. Donc au nord-est. Bah non, c'est pas une forteresse. Ah si, la forteresse est là. Mais Nightmare, on arrête, hein. Ça a rien de regarder la soluce. Pourquoi tu veux aller au nord-est? Je vais à la ville de... Je vais à ta ville préférée. Ah oui, Sakakara. C'était derrière. C'est là, à gauche. Voilà. Tu vois, t'avances là et c'est sur ta droite. Là, à droite. Là. Effectivement. Donc, direction le forgeron. Le forgeron, à droite. Ouais. Et ensuite, on sauvegarde. Et ce sera la fin de ce live. On a bien avancé. Et donc, prochaine étape qu'on termine le jeu. Je pense qu'on a juste le temple qui est dans le ciel à faire. Et c'est fini. Si je dis pas de conneries. Normalement, c'est bien ça. Ouais, je crois. À peu près, ouais. Parfait. Donc demain, on termine Secret of Mana. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que ça va être un poids en moins. En plus, ça lag. Je ne sais pas pourquoi. Allez, petite fille. Tu peux réussir à descendre. Oh mon dieu. Alors, le jeu n'est pas censé laguer. Hein. C'est à cause de la connexion Internet. Voulez-vous dormir? Oui. Oui. Bonne nuit, Arcane. Et mes personnages, enfin, du coup, nos personnages vont se coucher eux aussi. Donc, nous, on vous souhaite à tous une bonne nuit.
Et puis, on vous dit à demain pour la fin de Secret of Mana. Et donc, demain, j'annoncerai possiblement, un mot très français, le prochain jeu qui va remplacer Secret of Mana. Donc voilà, merci à toi Nightmare. Hein. De rien. Et puis, on vous dit à très vite. Ciao tout le monde. Nightmare, tu veux dire quelque chose avant que je ferme le capuchon? Non. Tu veux rien dire? Ok. Moi, je me tais. Salut tout le monde.